Alors, à l'Institut français de Maurice, nous avons une programmation régulière pour donner à voir l'actualité de la création française, mais aussi les créations mauriciennes et surtout toutes les propositions qui créent un dialogue entre les cultures françaises et mauriciennes. Et nous avons choisi, au mois d'août de cette année 2017, d'accueillir et de soutenir le projet de la rétrospective sur Serge Constantin, puisqu'il s'agit d'un peintre majeur de Maurice. Et que nous sommes ravis d'avoir une exposition qui soit aussi l'œuvre d'un commissaire français, d'un critique d'art qui est Philippe Piguet, qui est aussi historien de l'art spécialisé dans la période impressionniste et art contemporain. Cette exposition se consacrera à l'estampe et donc à la gravure. C'est une technique qui est intéressante puisqu'elle est assez rare. On la trouve, à ma connaissance, peu à Maurice. Et donc on en profite aussi pour faire venir l'un de ceux qui maîtrisent bien cette technique, un autre grand artiste mauricien, vivant celui-ci, Khalid Nazrou, qui viendra faire des ateliers à l'Institut pendant tout le mois de septembre autour des différentes techniques de la gravure, puisqu'il est important pour nous, à l'Institut, de montrer que la création artistique ne se découvre pas seulement par le contact aux œuvres, mais aussi par la pratique artistique. C'est un projet qui nous permet de rejoindre ces deux objectifs, et qui, qui correspond à cette volonté-là de faire vivre les cultures, qui est aussi notre mission à l'Institut. On sera donc ravis de vous accueillir à partir du 24 août pour le vernissage, dans notre galerie, et puis pendant tout le mois de septembre pour venir découvrir cette exposition. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, avant et après. À très bientôt.